sort parce que ça picote quoi. Ça picote tellement que après on n'apprécie plus le reste du repas. Donc, mais c'est vrai que ouais, là un petit, tu vois, un tout petit peu, ça pourrait relever encore un peu plus le truc en mode pas arrache-bouche, mais léger petit piquant pourrait. Bon alors ce torchon, il va repartir tout de suite à la machine. Il va servir à tout là ce soir d'ailleurs, donc il va virer tout de suite. Hop, la machine elle va me tuer, je l'ai sorti tout à l'heure. Hop, pardon. Donc du coup, ouais, ou de la chien à chat, une sauce piquante. J'avoue que là, ouais, un petit peps de piquant, mais très très light, très léger. Mais j'en ai pas. J'ai du piment, mais du piment doux, donc ça va pas. Non, 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 on va pas mettre, c'est pas grave. Ça va le faire comme ça, je pense. Bon, on va. On va pouvoir ouvrir nos cacahuètes, faire griller nos cacahuètes un petit peu. On va sortir une petite poêle. Hop. Dans laquelle on va faire griller un petit peu de cacahuètes. Hop, voilà. Les petites cacahuètes qui vont griller, tranquille. Alors, du coup, on va sortir nos crevettes, on va peut-être préparer nos crevettes. Hein. D'habitude, c'est Michine qui les prépare, mais là... On a aussi l'avocat encore à faire. Ça va le faire, ça va le faire. Les cacahuètes, c'est la vie, sauf si on est allergique, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, on va juste les faire un petit peu. D'ailleurs, peut-être pas encore tout de suite, on va attendre de faire nos crevettes d'abord.